Bonsoir Pierre Desproges, vous êtes assez rare à la télévision. Alors comment peut-on vous définir? Amuseur, écrivain peut-être? Moi, mon métier, c'est d'écrire. Je suis écriveur, je dirais, pas écrivain, parce que je me vois déjà avec un bicorne vert. Alors vous n'êtes pas écrivain, mais vous n'êtes pas très tendre non plus avec les écrivains. Regardez cet extrait. Marguerite Duras, qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Alors ce genre de provocation, c'est votre marque de fabrique, hein, Pierre Desproges. On sent que vous y prenez un malin plaisir, non? Mais je suis provocateur, mais la première personne que je provoque, c'est moi-même. Je vous assure, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, je dois être maso. Ah oui. Mais en scène, il m'arrive de rougir de confusion à des énormités que je dis. Oui. Alors ce soir, Pierre Desproges, vous venez pour le livre de votre fille, Desproges par Desproges. Oui. Est-ce que vous jurez de tout nous dire? Non, je ne dirai pas bits alors, je l'ai prévu avant. J'ai assez d'ennuis comme ça en télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Petite question, qui a dit « La littérature est à la civilisation ce que la queue est à la casserole ». Quand il n'y en a pas, l'homme a l'air con. Pierre Desproges, très bonne réponse, bravo. Pierre Desproges, avec qui nous allons ouvrir cette émission ce soir. Une émission consacrée à la famille et à la façon d'écrire sur les secrets de famille. Pierre Desproges nous a quittés il y a près de 30 ans. Sa fille, Perrine, vient lui rendre hommage avec un livre somptueux, bourré d'inédits, Desproges par Desproges. Et elle sera accompagnée, sa fille, Perrine, par deux humoristes qui jonglent avec la langue et qui sont, à mon avis, les héritiers de Pierre Desproges, François Morel et Daniel Morin. Question, faut-il dire la vérité aux enfants? Comment écrire sur sa famille sans réinventer l'histoire? Eh bien, c'est cette question précisément qui traverse les romans que je vous présenterai ce soir. Isabelle Menin signe un livre éblouissant et bouleversant, Mistral perdu. C'est aussi ce livre, la chronique d'une génération. À ses côtés, Christophe Honoré, réalisateur, écrivain. Christophe Honoré qui évoque l'homoparentalité et l'homophobie ordinaire dans un livre coup de poing. Safia Azedine dresse le portrait saisissant d'une femme en colère qui a de bonnes raisons de l'être. Elle est née sous X et elle part à la recherche de sa mère biologique. Et puis enfin, Alexandre Jardin raconte sa mère et apporte une nouvelle pierre au roman fabuleux des Jardins. Mais pour commencer, choisissons-nous une famille de cœur. Tiens, celle de Pierre Desproges. Voici sa fille Perrine Desproges, accompagnée par François Morel et Daniel Morin. Perrine Desproges. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Monsieur Morel et Monsieur Morin, ben voilà, France Inter réunie. France Inter, parce que c'est évidemment la station sur laquelle Pierre Desproges a officié pendant très longtemps. Bonsoir Perrine Desproges. Bonsoir François Millet. Vous êtes donc la fille de Pierre Desproges. Vous avez rassemblé plus de 600 documents appartenant à votre père, essentiellement des inédits, et ça donne ce livre somptueux, Desproges par Desproges. Il sort aujourd'hui aux éditions du Courroux. C'est nous. Alors, les éditions du Courroux, si. Les nostalgiques du tribunal des flagrants délires sauront pour quelles raisons vous avez baptisé votre maison d'édition Le Courroux. Oui. Coucou. C'est le leitmotiv qu'il avait pour introduire le tribunal des flagrants délires. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon Courroux, coucou. François Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre chronique à vous sur France Inter, chaque vendredi à 8h55, est un enchantement. Vous venez justement de rassembler ces chroniques dans un livre intitulé « Jamais la même chose », coédité par De Noël et par France Inter. Il y en a quelques-unes dont je me suis évidemment délecté en me disant « mais c'est pas possible ». Pierre Desproges est pas loin hein, tout de même. Il aurait pu être penché, vous savez, le petit démon perché sur l'épaule de l'écrivain. Quand j'étais étudiant, je crois que je commençais ma journée d'étudiant après avoir écouté le tribunal des flagrants délires, Claude Villers, Pierre Desproges et Louis Régaud. Et donc, j'étais forcément influencé. Je me sentirais pas forcément, je n'ai pas cherché à être un héritier, parce que ça me paraît trop fort, trop puissant, trop grand. Mais évidemment qu'il m'a inspiré, que je l'ai beaucoup écouté, que je l'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a une richesse inouïe. Et chez Desproges, il n'y a jamais de cynisme. Il y a de la méchanceté, de la cruauté, il n'y a jamais de cynisme.
On va en parler justement tout à l'heure, du cynisme, utile ou pas, déguisement ou masque. À vos côtés, Daniel Morin. Bonsoir Daniel Morin. Bonsoir François. Alors, le 5-7 sur France Inter, le billet qui conclut et qui passe à Nicolas Demange chaque matin, oui, la relève, mais aussi chez Monsieur Guy à partir de 11h, toujours Guy, sur la même antenne de France Inter. Là aussi, on parlait du côté protéiforme de l'humour de Pierre Desproges. J'ai l'impression que le vôtre n'est pas tout à fait celui de François Morel. Et en même temps, on puise un peu chez Pierre Desproges, non ? On puise ce qui est à puiser, c'est-à-dire une source quasiment intarissable, mais je pense qu'il n'y a pas de filiation, on ne peut pas parler d'héritage, c'était des proches, et mort avec son style. De toute façon, après, on peut se retrouver dans des axes qu'on prend qui vont être ceux de la provocation, et de ne pas donner de leçons aux autres, et ça, c'était très important. Et Pierre Desproges, c'est une des raisons pour lesquelles je m'agrippe et j'essaye de rester sur France Inter, parce que c'est une fierté, c'est pas un héritage, c'est une fierté d'être sur la même station qui laisse toujours beaucoup de liberté. Mais Pierre Desproges était, oui, je trouve qu'il y avait un côté libertaire de dire des énormités très très bien écrites, c'est ce qui est la différence avec des gens juste qui disent des insanités, et c'est ça sa différence. Oui, c'est une grande source d'inspiration, et un héritage, non, sûrement pas, mais voilà, grande fierté d'être sur France Inter qui était sa station. Ouais. Et ce livre modeste, qui est formidable. Pas d'héritage. Alors, il y a dans ce livre des choses absolument extraordinaires. Je méfie toujours, moi, vous savez, de ce genre de bouquins qui, je comprends, qui sont faits comme ça en famille. On se dit, ça va être la célébration du père. En fait, pas tant que cela. Ah, surtout pas. Il aurait détesté. Hein. Il aurait détesté. C'est pour ça que oui. Il a un terme qu'on aime beaucoup. C'est déboulonner les statues. Et d'ailleurs, lui aime déboulonner les statues telles. C'est Simone Signoret qui l'adorait. Mais quand tout d'un coup, tout le monde dit « elle est superbe », alors que vieillissante, elle était quand même un peu moins belle que jeune, il a besoin de casser du Signoret. Oui. Alors est-ce que vous avez... Évidemment, vous étiez très jeune à l'époque, oui, quand il disparaît, lui-même extrêmement jeune, on est en 1988. Oui. J'imagine qu'en travaillant à exhumer les correspondances... Alors, il y a des lettres formidables avec Louis Rigaud. Il y a des petits mots griffonnés à l'époque des petits rapporteurs. Il y a les lettres d'amour à sa femme, à ma mère, à Hélène, qui sont totalement... Moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment touchée parce que mes parents étaient très pudiques. Moi-même, je suis plutôt. Et je ne pensais même pas lire moi-même ces lettres. Et je les ai lues pour ce livre en me disant quand même, il faut voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'impudeur, il y a une langue, il y a une tendresse, il y a une personnalité. On comprend deux choses, enfin plein de choses, mais on comprend que Desproges est un type séduisant, même s'il peut être odieux. Vous l'appelez Desproges, votre père ? Je l'appelle papa chez moi, mais il ne répond pas beaucoup. Mais oui, je l'appelle Desproges quand je travaille sur son travail. Je fais la différence. Allons chercher un petit peu, si vous le voulez bien, Perrine Desproges, ce qui fait le sel de la langue. On entendait tout à l'heure dire « Ah non, je ne suis pas un écrivain ». Écoutez, si on a le droit quand même, on va se permettre de nous penser que c'est un écrivain. Tiens, je vous propose de choisir quelques mots qui sont ceux que l'on pourrait trouver sous la plume de Pierre Desproges. Regardez, ils vont s'inscrire sur cet écran, les mots. Alors, quand on pense à Desproges, évidemment, on pourrait dire cancer, on pourrait aller chercher réquisitoire, politique, nazi même. Enfin, il y a un autre mot qui me parle beaucoup, c'est littérature. Bien sûr. Est-ce que Pierre Desproges se considérait ou considérait qu'il pouvait être membre de cette grande fraternité compagnonnage de compagnie des écrivains? Certainement pas l'Académie française, qu'il a fustigée, ouais, et qui est pivère, mais je pense qu'il était quand même assez flatté qu'on reconnaisse sa plume. Voilà, maintenant, effectivement, il se définit comme écrivain parce qu'il est artisan. Il se voit comme un artisan du verbe, comme un menuisier ou un ébéniste dans ses meilleurs jours, ce sont ses mots. Il ne peut pas se prendre trop au sérieux là-dedans. Ce qui est fou, c'est qu'on découvre, hein, grâce à ses entretiens, à ses petits mots, le making-of, comme on dit en très mauvais français de l'Académie française, de la littérature, l'influence qu'ont eu certains écrivains. Je pense à Alexandre Vialat. Par exemple, Vialat, je rappelle pour les plus jeunes que Vialat n'est pas un joueur de football, mais l'auteur de ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle Les Chroniques de la Montagne. Ça aussi, Vialat, François Morel, ça fait partie de votre famille d'écrivains. Ah, j'ai lu Vialat grâce à Desproges. Oui, absolument. Vialat, c'est celui qui avait cette phrase que je trouve absolument extraordinaire, « L'homme n'est que poussière », c'est dire l'importance du plumeau.
Chez Pierre Desproges, comment naît l'humour? Est-ce que ça, vous avez réussi à percer cette énigme? Je pense que ça lui est aussi naturel que la provocation est naturelle chez lui. Sa mère était assez drôle, elle était assez braque et assez drôle comme lui. Et je pense que l'humour, et c'est surtout sa plus grande défense face à l'absurdité de la vie. Donc il y a à la fois un gène de l'humour. Oui, il y a quelque chose quand même, oui, oui. Et quand vous dites défense, on a le sentiment d'être quand on tombe vers quelque chose de plus grave. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Alexandre Jardin, qui parle aussi de son rire bouclier, du fou rire automatique. C'est quoi? C'est la politesse du désespoir. J'oublie toujours de qui c'est. On l'attribue à plusieurs personnes, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire chez mon père, pour le coup, il y a vraiment le désespoir de naître alors qu'il faut mourir. C'est absurde. Et ça l'accompagne constamment, c'est obsessionnel. Et sa meilleure défense, c'est l'humour. Ça commence là, chez lui. Autre mot, celui-ci, provocation. On a beaucoup dit que Pierre Desproges était un provocateur. C'est aussi le terme que vous employez, vous, pour parler de votre père ? Je comprends qu'on l'emploie. Bien sûr qu'il provoque, bien sûr qu'il cherche à choquer de la même manière qu'il est provoqué par la vie ou par la médiocrité ou par tout un tas de choses qui peuvent l'hypocrisie. Ça le provoque, donc il répond par la provocation. Quand même, il y a une forme de provocation. Mais la première personne qui provoque, c'est lui-même. Ça, c'est vraiment ses termes. C'est-à-dire que lui-même se dit, bon, je ne suis pas formidable, je fais quand même partie du genre humain, ce qui n'est quand même pas hyper élégant. Et ce mot, censure, on dit beaucoup aujourd'hui que les blagues de Pierre Desproges ne passeraient plus, que son humour serait censuré. Est-ce que lui, d'abord, parfois, se disait, tiens, je mets un filtre, celle-là, je ne la fais pas. Je sais que Daniel Morin, de temps en temps, vous dites, non, je ne peux pas y aller, et puis finalement, j'y vais quand même. Mais est-ce que Pierre Desproges... Écoutez, je suis venu ici, c'est comme quoi j'ai beaucoup de courage, et je ne me censure pas du tout. Non, mais je ne pense pas qu'il y avait de censure du tout chez Desproges. Ou alors, j'aimerais savoir où sont les cahiers où il a mis ce qu'il n'a pas osé dire. J'en ai pas trouvé. Non. J'en ai absolument pas trouvé. Non, j'en ai pas trouvé. Je pense que le sketch des Juifs, c'est vraiment l'endroit où il a eu peur. Il avait vraiment conscience de ce qu'il faisait. Il a consulté plusieurs personnes autour de ce sketch. Mais il y est allé. Il y est allé. Mais en même temps, ce sketch-là, c'est un sketch profondément antisémite. Anti-anti. Anti-anti, merci, ouais. Daniel. Ouais, c'est pour ça que je vous invite des morts. Tout à l'heure, si je peux rendre service. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de provocation, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il était provocateur du tout. Je pense que même si c'est un peu hardi, je pense que c'était un lanceur d'alerte sur l'absurdité qui nous entourait. Nous faire comprendre la vacuité des choses par un style formidable qui est même outrancier. Il nous faisait comprendre que rien n'était important, que les choses qu'on voulait nous faire passer pour importantes ou primordiales, au final, très souvent, chez beaucoup, n'étaient que farces. Et je pense que c'était surtout ça. Je ne pense pas qu'il y avait une idée de provocation. Lanceur d'alerte, et puis de temps en temps, c'est bien de s'amuser aussi avec les statues, vous le disiez, y compris les statues des écrivains. Il adorait la littérature. Bon, quand on aime bien, on châtie bien. Regardez un peu ce que donne Pierre Desproges sur scène, évoquant... les grandes figures de la littérature du XXe siècle. Au lieu de vous emmerder à lire tout Sartre, hein, vous achetez un seul numéro de minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Alors... je ne sais pas si vous avez lu Le Capital, mais c'est emmerdant. Le Capital, finalement, c'est comme l'annuaire. Hein. On tourne 3 pages et on décroche. Hein. Ni de gauche, ni de droite. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique, disait Raymond Aron, qui était de droite. Parmi ces 4 prénoms, un seul n'est pas ridicule, ok? Bernard Henry, Jean Ederne, Pierre, Rika. Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou. Il y allait, hein, tout de même, Pierre Desproges. Mais c'est du Yourcenar, en fait. Auschwitz, mon loulou. Oui. Je crois, hein.
Auschwitz, mon chou. Je crois que c'est Ursenar. L'invention du Ursenar, c'était ça. Mm. François Morel. Oui, quoi? Quand je vous ai demandé de venir, bien évidemment, c'est parce que en lisant Jamais la même chose, je me suis dit tout de même, l'influence de Pierre Desproges n'est pas très loin, mais aussi parce que je sais que vous écrivez des lettres. Alors je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être demander à François Morel d'écrire une lettre à Pierre Desproges. Ah oui? Et vous m'avez dit, bah, ça tombe bien, elle est déjà faite. Bon, on y va? Ok. C'est à vous, comme on dit. C'est pas exactement une lettre, hein, mais je suppose que c'est. C'est une évocation. Le jour de la mort de Desproges, mon oncle Maurice m'a demandé « Il te faisait rire, toi, Pierre Desgroupes ?» Non, tonton, pas tellement. Tonton Maurice, qui ne ratait pas un numéro du Hérisson, la diffusion chaque soir de la classe présentée par Fabrice et l'occasion de se taire, ne voyait pas ce qu'on pouvait trouver d'amusant chez un type au visage lugubre qui débitait des considérations désespérantes et saugrenues sur la chimiothérapie. Je vois pas ce qu'il y a de drôle dans le cancer. Tonton Maurice n'avait pas tort, le cancer n'est pas exagérément désopilant. Tonton Maurice ne goûtait pas l'esprit de Desproges, il trouvait par ailleurs que Brassens débitait des grossièretés toujours sur la même musique, que Léo Ferré était trop âgé pour avoir des cheveux longs, que Gainsbourg était sale. Pierre Desproges, bonne nouvelle, ne fera jamais l'objet d'un biopic. Qu'est-ce qu'on raconterait? L'histoire d'un monsieur amoureux de sa femme, entouré de dictionnaires et passant des heures entières devant sa machine à écrire, avant d'aller chercher ses filles à l'école et de revenir à la maison, ouvrir un livre de Vialatte et un château Figeac 71. L'histoire d'un écrivain qui utilise la langue française comme un bâton de dynamite, la grammaire comme un bazooka, l'imparfait du subjonctif comme un lance-roquette. Pendant ce temps-là, tonton Maurice continue de feuilleter son journal. Il te faisait rire, toi, Raymond Bedos? François Morel. Bel hommage à Pierre Desproges et Perrine Desproges. Oui. Finalement, c'est beaucoup mieux qu'une biographie, ce genre de livre. C'est beaucoup mieux qu'un biopic. En fait, c'est vraiment pas une biographie, effectivement. Et je suis ravie, il n'y aura pas de biopic sur Desproges. Mmh. Merci. C'est un peu pour ça le titre aussi, Desproges par Desproges, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de meilleur que lui pour se raconter lui-même. Il y a tellement d'interviews, tellement... Ses mots à l'oral, il est très bon, et donc ses mots le racontent lui-même, ses mots et évidemment ses archives. Est-ce que dans les interviews, il ne porte pas toujours un masque? Il y a une pudeur, hein. Il y a une pudeur, mais c'est assez intéressant de voir entre la télé, les différents médias, la télé, la radio et la presse, quand il parle à Playboy, il est beaucoup plus intime. C'est curieux, ça, tiens. C'est bizarre. Oui. Et voilà, il y a le journal de la pêche aussi, où il a révélé un nombre d'anecdotes absolument... On ne pense pas assez à donner des interviews au journal de la pêche. Mais non, le journal, ouais. C'est fantastique, parce qu'il se disait, il y a moins de lecteurs, donc il en dit plus. Et il y a des petits passages assez séduisants. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre père que vous ne pensiez absolument pas découvrir un jour? Alors, j'ai rien découvert, ça a confirmé le personnage que j'ai connu et que ma mère nous a transmis. En revanche, c'est plus vraiment les archives, les reportages à l'Aurore. On connaît les brèves de l'Aurore, mais Desproges, pour le coup, journaliste à l'Aurore et faisant des pirouettes, tentant d'être journaliste, parce qu'il y a une plume, mais faisant des pirouettes en fin de reportage, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, je trouve ça extrêmement touchant. Ça, c'est des choses que je savais même pas que ça existait, en fait. À l'Aurore, il écrivait des choses comme ça. « Les platanes et les voitures des autres sont des objets dangereux quand on rentre dedans avec empressement. » C'est bien observé, hein. Non, c'est pas faux. Ouais. Daniel Morin. Oui. Alors, vous, je vous demande pas une lettre. Non. Parce que vous avez pas travaillé, feignant non. que vous êtes. Mais, si vous deviez choisir, dans ce livre magnifique, allez, je ne sais pas, un ou deux textes de Pierre Desproges, quel texte aurait votre préférence, histoire de nous lire avec moi, votre voix et votre rythme? Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui sur le cinéma. Donc, je n'ai que du mépris pour le cinéma, qui me le rend bien. Jamais producteur ne m'a proposé de collaborer à ses projets qu'en tant que scénariste d'infamante bidasserie franchouillarde, à moins que ce ne fût comme dialoguiste saupoudreur de calembours de latrine. Je n'aime pas non plus les acteurs. J'entends les gens qui ne sont que cela. En quelle estime peut-on tenir un individu dont la seule ambition est de nourrir sa famille en poussant 30 fois par jour la même porte d'un air soucieux? J'aime encore moins.
J'aime encore moins les cinéphiles, ça pérore et ça se boursoufle avec des frémissements indignés, indignés comme des jésuites en Chine rouge. J'aime pas le cinéma français, ça pense plus que ça bouge. J'aime pas le cinéma américain, ça bouge plus que ça pense. J'aime pas le cinéma italien, ça gesticule en bramant dans des cordes à linge. J'aime pas le cinéma japonais, c'est long, c'est long, c'est long. J'aime pas le cinéma indien, c'est plus long que le cinéma japonais. J'aime pas les films doublés, ça fait ouvrier. Oh non. J'aime pas les VO. Ça fait chier. Voilà, très beau texte des proches, plein de recul, plein de distance. C'est un de mes préférés. Jusqu'où est-il sérieux? Jusqu'où joue-t-il avec les mots? Qu'est-ce qu'il déteste vraiment? Qu'est-ce qui, tout à coup, devient le bon sujet pour faire un très bon jeu de mots, lancer une contre-pétrie, s'amuser avec la langue? Là, c'est dur. Allez, d'après vous. Après, je pense que c'est déjà un corps de métier, le cinéma, qui est plein de cibles pour quelqu'un comme Pierre Desproges. Que ce soit les producteurs, que ce soit les acteurs, il y a des gens qui sont très très contents d'eux. Et je pense que c'est quelque chose qui devait le faire pouffer et qui voulait tabasser, bien littérairement. Sûr. Après, en écrivant, ça a dû lui venir. Mais je pense que le sujet, au départ, était une matière qui était vraiment fertile pour lui. Est-ce qu'il a de véritables haines? Parce qu'il y a eu ces chroniques de la haine ordinaire, qui sont une façon aussi de désamorcer la détestation permanente de tout le monde. Il a la haine de l'hypocrisie, notamment, il a la haine de certaines personnalités. Ça rejoint un petit peu ce que disait Daniel Morin. Schwarzenberg, ça peut vous paraître bizarre que je pense à Schwarzenberg, mais le médecin qui ne soigne pas ses malades et qui passe plus de temps sur les plateaux télé, ça lui paraît assez indigeste. Des haines, il en a plein de petites partout, et des grandes. On apprend également les coulisses de sa vie, j'allais dire. Ce qui est surprenant, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a l'impression que tout arrive un petit peu par hasard. Il y a une sorte de désinvolture, c'est-à-dire qu'il traverse la vie comme ça, en disant, ben non, moi, dans la jeunesse, j'ai beaucoup lu, j'ai pas mal voyagé, j'ai flirté aussi, puis quand il fallait, je travaillais. Il rentre à l'Aurore, il devient le pilier du Petit Rapporteur à France Inter. C'est pendant une douzaine d'années des émissions qui sont devenues cultes. Saltimbanque, Les Flagrants Délires, tout ça sans rien demander. C'est un peu ça. C'est vrai qu'il a quand même de la chance. Bon, il a une plume qui fait que. Il a des rencontres qui le font avancer dans la vie, mais il n'a vraiment aucun plan de carrière. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, jamais pensé en faire un métier. Il a toujours écrit, il a toujours aimé écrire, mais jamais il a calculé quoi que ce soit. Après. En vieillissant, en atteignant après France Inter, Chronique de la haine ordinaire, c'est quand même un homme de plus en plus heureux. Il est très heureux de sa vie. Alors ça transparaît également. On a le sentiment qu'il joue aussi avec ses névroses. Alors il dit « je suis névrosé, je suis psychotique, mais je me soigne ». Perturbé congénital, oui. Ouais. Ouais. Bah, il est obligé d'en jouer parce qu'il ne peut pas s'en défaire. Ça lui colle à la peau, donc c'est un peu le seul moyen de défense. On parlait de la colère tout à l'heure. Il y a un texte que je trouve absolument génial parmi tant d'autres, François Morel. C'est ce texte qu'il a appelé « La Cour ». Et j'aimerais bien que vous nous le lisiez. « La Cour », le 4 mars 1986, une chronique de la haine ordinaire. « Je me rappelle ce dîner en banlieue chez ce grand amuseur français. C'était, je crois, en 1982, c'est-à-dire à une époque où il était déjà plus célèbre en France que Roland Dubillard ou la bataille de Marignan. Par pure amitié, il m'avait convié à souper chez lui en toute intimité, c'est-à-dire en compagnie de 80 parasites nocturnes, abonnés quotidiens de sa soupe populaire. Certains hauts personnages accrochent ainsi à leur traîne par altruisme ou pour se rassurer des conglomérats gluants d'indécrochables sangsues. Ce soir-là, chez mon hôte, c'en était plein. De la moquette aux baignoires et jusque sous l'évier où les plus serviles léchaient les serpillières pour avoir l'air utile. Bref, si cet homme eût été de la merde, ils en eussent été les mouches. Et moi, qu'on n'avait encore jamais vu au petit souper du prince, j'étais l'intrus, la menace potentielle de leur avenir improbable, l'importune matérialité d'un favori possible. Car tous avaient à vendre des idées, des chansons, des sketchs à deux voix, leur sœur ou un bateau à voile pour le bon plaisir du roi sur l'eau. Parmi ces soumis, je reconnus quelques chanteurs électroniques qui brament aujourd'hui encore leur indignation face aux injustices de classe. J'ai pris congé pour aller vomir plus loin. Voilà, La Cour, Pierre Desproges, par François Morel.
Il y a une forme de... ça rejoint ce que disait Perrine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de statut indéboulonnable à ses yeux. Quoi. Et même Coluche, on pouvait être cruel en regardant Coluche évoluer. Quoi. Oui, puisqu'il admirait complètement Coluche, mais effectivement, ce qu'il décrit autour de lui... En tout cas, c'est vachement agréable d'entendre ces textes dans la bouche de gens qui savent les lire. C'est, enfin, moi, je trouve ça formidable. Et on entend la langue, on entend le soin apporté évident, à chaque mot, à chaque adverbe. Et c'est marrant de voir Roland Dubillard là-dedans, d'ailleurs. Oui, je l'avais oublié. Il avait une admiration pour Dubillard. Ah, je pense que ça faisait partie de ses lectures, ouais. On peut savoir qui est sur la photo, qui est quand même formidable. Là, juste on me reconnaît, non? Alors ça, c'est une photo... Merci à Adrien Solan, le réalisateur, de la montrer, parce que en regardant le livre, je crois que c'est la photo qui nous a le plus fait rire en préparant cette émission. C'est vous, Perrine Desproges. Voilà. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents alcooliques. Elle est formidable. Mais celle-ci est absolument géniale. Et quand je m'endormais, elle me mettait, là, je ne sais pas quel vin, mais... Et ça, c'est quand même des photos, effectivement, c'est quand il nous met aussi en scène, ben, malgré nous. Et ce sont des photos qu'il a développées lui-même. Ouais, on ne s'ennuie pas chez les Desproges. On pourrait parler des Desproges, car Philippe Meyer signe une préface très belle dans laquelle, comme ça, avec son élégance naturelle, il rend un hommage à votre mère. Bien sûr. Et il a cette phrase, il va loin, Philippe Meyer. Il dit en réalité, Desproges ne serait pas devenu Desproges sans Hélène. Je pense que... Quel était le rôle de votre mère auprès de lui? La femme d'artisan, comme souvent, c'est-à-dire qu'elle lui a évidemment reconnu son talent et puis elle lui a donné espace et confiance et puis elle l'a poussé à aller de l'avant avec sa plume et donc déjà aller à l'aurore. Et puis après, le petit rapporteur et puis surtout Villers, le tribunal des flagrants délires. Au départ, il ne voulait pas y aller, il avait peur. Donc elle a fait partie des gens qui ont dit « mais si, tu es capable de le faire ». Elle lui a complètement... la femme d'artisan, c'est vraiment ça. Desproges par Desproges, alors c'est un livre formidable. Il ne sort pas pour le 30e anniversaire de la disparition de Pierre Desproges. Ce serait vulgaire et ce serait absolument anti-desprogien que de commémorer la disparition. Non, il sort pour le 30e anniversaire du cancer de Pierre Desproges, puisque c'est en octobre 1987. À l'automne. Qu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Enfin un cancer, oui. Qui va le faucher 6 mois plus tard. Ouais. Alors, une dernière chose qui est un petit bonbon. Ça aussi, je le trouve en parcourant ce livre. Bonjour ma colère. Et puis, il y a un sketch. Il n'y a pas d'autre mot. À deux voix. Ça tombe bien parce qu'on en a deux belles et deux grandes. Voilà. Entre le patient et le grand professeur de médecine. Ah. Le patient s'appelle Pierre Desproges et le grand professeur, je vous laisse mettre un nom. Pierre, mon vieux. Je vous en prie, docteur. Pauvre vieux. Soyez franc, je veux toute la vérité, j'ai besoin de savoir. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules. Et... Bien, écoutez, soyez clair, j'ai un cancer. Je veux dire, non. Je ne dis pas cela. Non, mais vous dites irréversible, c'est mortel, c'est donc bien un cancer. Parlez-moi franchement, mais il me reste combien de temps? Eh bien oui, vos jours sont comptés. Ah, ben voilà. À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 30 ou 40 ans maximum. Mais si c'est pas un cancer, comment ça s'appelle cette maladie? C'est la vie. La vie? Vous voulez dire que je suis... Vivant, oui, hélas. Et où est-ce que j'ai pu attraper une parisselle au prix? Voilà. Desproges par Desproges. Aux éditions du Courroux. Allez-y, c'est absolument formidable. Et le livre sort aujourd'hui en librairie. Merci beaucoup, Perrine Desproges, d'être venue ce soir nous en parler en compagnie de Daniel Morin et de François Morel. François Morel qu'on retrouve demain matin à 8h55 sur l'antenne de France Inter. Et avant cela, on se sera régalé. Vous vous levez non, beaucoup pas demain plus matin, tôt. Demain, à la Grasse Mat, vous me retrouvez chez Nagui. Incroyable, ça. Ah, mais je me lève pour François Morel. Très bien. Ah, bah voilà. Voilà. Allez. Ah, bon, on y va. Merci beaucoup. François Morel, Daniel Morin, Perrine Desproges. Merci beaucoup. Infiniment. Merci François. Bonsoir François. Merci. Salut Daniel. Alors avant de poursuivre sur le thème de la famille et de retrouver Isabelle Monin, Christophe Honoré, Safia Azedine, Alexandre Jardin et puis un invité surprise sur ce piano, je vous propose d'aller faire un tour dans le 19e arrondissement de Paris, du côté d'une librairie. Il y a un nom que j'adore, la librairie Longtemps. Rencontre avec un autre passionné des livres, il s'appelle Grégoire Lorta-Jacob et c'est Inès de la Motte-Saint-Pierre qui est allée lui rendre visite. Regardez.
suis devenu libraire par accident. J'ai été prof et puis bon, avec l'éducation nationale, ça s'est terminé. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Bah, j'ai envie de bouquiner, j'ai envie de rencontrer des gens. La librairie a été ouverte dans un quartier très populaire, dans un des derniers quartiers où il reste de la pauvreté. C'est un quartier très mixte culturellement, ça vient de partout dans le monde. Pour moi, longtemps, c'est un mot magique, c'est le rêve, et puis c'est un petit peu proustien aussi. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Le bruit et la fureur. Parce que c'est du rythme, c'est de la violence, c'est de la force. C'est quelque chose qui prend aux tripes, et ça, j'aime bien. Inavouable, le dernier roman de Miłoszewski, un pur roman d'action que j'aimerais bien voir tourner avec Steven Seagal. Je peux prendre le 50-50 ? Le livre classique avec lequel j'ai du mal, sans hésiter, Orgueil et préjugés. Pour moi, c'est du roman de gare écrit en style baroque. Le livre qui me donne envie de faire l'amour, la correspondance entre Anaïs Nin et Henri Miller, Caliente. Cash, extrêmement sensuel. Mon livre collector, c'est Alamut de Bartol. C'est le traité de manipulation, c'est le roman historique, c'est tout. Quand on aime un livre ici à la librairie longtemps, on met des cœurs avec les wada. Comment raconter les secrets de famille? Et puis surtout, faut-il tout dire? Et puis encore plus que surtout, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors pour répondre à ces questions, eh bien j'ai voulu réunir ce soir quatre romanciers. Isabelle Monin, Safia Azedine, Christophe Honoré et Alexandre Jardin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, il y a énormément, énormément de passerelles hein, entre vos romans, entre vos livres, et pourtant, ils ne se ressemblent pas. Ce sont les questions qui traversent vos romans. Vous n'apportez pas tous la même réponse. Tiens, j'ai envie de commencer, Isabelle Monin, avec ce livre. Parce qu'il y a des bouquins comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ouvrez, vous lisez, vous vous dites « j'ai autre chose à faire », vous continuez à lire, vous vous dites « j'ai vraiment autre chose à faire », vous annulez ce que vous avez à faire, vous ressortez, et vous vous dites « c'est formidable, la littérature ». Voilà. « Mistral perdu » ou « Les événements », c'est aux éditions Lattès. C'est l'histoire de deux sœurs qui s'entendent très bien. On est dans une famille ouvertement de gauche, hein, Isabelle Monin, on peut le dire comme ça. On est dans un petit village de province, on est dans les années 70. À l'époque, souvenez-vous, dans les années 70, il y avait Michel Drucker à la télé. Et puis on découvrait un chanteur aux cheveux jaunes qui chantait des trucs comme « Marche à l'ombre »,« Société, tu m'auras pas ». Alors 40 ans plus tard, eh bien, Michel Drucker est toujours à la télé. Le chanteur aux cheveux jaunes chante autre chose, il chante plutôt « J'ai embrassé un flic ». Et puis l'une des deux sœurs est morte, ainsi qu'un enfant. Voilà. Et on glisse comme ça, avec brutalité, dans le choc, et on apprend comme ça, avec beaucoup de pudeur, en lisant ce livre, que la douleur, c'est peut-être un tremplin. Est-ce que ce livre est aussi, Isabelle Monin, la chronique d'une génération, celle qui avait 15 ans dans les années 80? Oui, oui, je crois. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était de voir comment les événements, qu'ils soient intimes ou collectifs, percutent une trajectoire qu'on pense être à peu près tracée. Et donc forcément, l'époque, elle a un rôle dans les événements collectifs historiques. La grande histoire, ou en tout cas, à l'époque, on ne sait pas que c'est la grande histoire. Bon, hein, ça a l'air d'ailleurs plutôt... une histoire qui nous a pas attendus, comme si elle était derrière nous. Et en fait, quand moi, on se retourne, on se dit si, elle était grande. Oui, oui. Je crois que moi, je suis d'une génération qui a longtemps cru que l'histoire n'était pas pour elle, en fait. Que soit ça s'était joué avant, soit après, il y a eu la chute du mur de Berlin. On nous a même expliqué que c'était la fin de l'histoire. Donc il y avait cette idée qu'on était toujours né après les événements. Et puis, en fait, évidemment, si on se retourne aujourd'hui, on voit que l'histoire nous a percutés. J'avais 30 ans le 11 septembre 2001. Ce qui s'est passé en 2015, évidemment, c'est de l'histoire qui revenait en plein, percuter notre génération. Donc, en ce sens-là, c'est un livre générationnel, mais je pense que ces événements, ils ont touché aussi les autres générations. Et vous représentez d'ailleurs, ça c'est intéressant, quasiment tous la même génération à quelques années près. Alexandre Jardin, vous aviez ce sentiment, vous l'aviez écrit dans des livres, que l'histoire n'était pas pour vous, que c'était pour votre père, que c'était pour votre grand-père. Et puis voilà, vous viviez dans une époque qui n'avait pas d'histoire. Vous corrigez votre jugement comme Isabelle Monin? C'est surtout qu'elle aime la vie. Et elle a écrit un livre qui est une réussite absolue, parce que pendant toute la première partie, c'est bouleversant votre manière d'aimer la vie ensemble. Et puis tout à coup, c'est effrayant. Et c'est une réussite complète. J'ai rarement été aussi bouleversé par un livre. Et
Et je suis terriblement en fait, touché d'être en face de vous. Voilà. C'est vrai, vous avez vraiment écrit un très grand livre. Et on a envie de vivre une époque extraordinaire, quoi. Avec des auteurs géniaux qui arrivent, quoi. Et ce livre, c'est pas que générationnel. C'est que tout ce qu'elle dit sur cette histoire-là, c'est qu'elle l'aime. Toutes ces attaques de chapitres, ça donne envie de vivre, quoi. Et puis tout à coup, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que votre sœur, qui est votre alter égal, qui est celle avec qui vous partagez tout, sauf le journal, hein. Le journal intime, pas question de le partager, qui est celle avec qui vous vivez la découverte de la langue. Renaud, c'est Renaud la découverte de la langue ? Oui. Indubitablement. Qu'est-ce qui fait tout à coup que quand on dit Nibar, quand on dit Colbach, quand on dit Nichon, tout à coup, ça devient une langue nouvelle. Parce que c'est ça que vous racontez aussi. Quand on a 10 ans, qu'on est dans une famille de gauche, d'enseignants, où on est censé quand même apprendre un vocabulaire maîtrisé, et que cet énergumène arrive chez Drucker, effectivement, et sort tous ces gros mots qui sont en même temps une poésie, c'est totalement jubilatoire. Donc oui, il devient immédiatement le chanteur préféré. Comment définiriez-vous la relation que vous avez avec votre sœur ? À un moment, vous dites « relation fusionnelle », et puis vous vous corrigez. Tiens, page 33, est-ce que je l'invente ? La vit-elle, cette relation, avec la même intensité ? Bah ça, c'est la question qui peut se poser dans toutes les relations interfamiliales, en fait. C'est, chacun projette aussi sur telle et telle figure la manière dont il le vit. Donc moi, je pense que j'ai eu une enfance très fusionnelle avec elle, même une adolescence, même si elle était plus jeune que moi. On nous appelait les filles, on était une espèce d'entité voilà, à deux têtes. Hein. C'était nous, on était nous. Je crois que je pensais nous quand j'étais enfant, parce qu'elle était toujours avec moi. Après, je ne peux pas répondre à la question de comment elle le vivait. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, et puis on continue, on déploie un tout petit peu le tapis du temps, on arrive à la sortie de l'adolescence. Alors là, il y a un passage formidable, vous êtes toujours en province, il y a un petit groupe comme ça qui se crée, et puis dans le petit groupe, on trouve des jeunes qui vont vous plaire. Alexandre Jardin, ils bouffent la vie. Il y en a une qui dit « moi, je serai un jour journaliste », c'est Isabelle Monin, et romancière peut-être. Ben, voilà, elle l'a fait. Il y en a un qui dit « moi, un jour, je serai compositeur, j'écrirai des chansons, je deviendrai chanteur. » Ah, tiens, je ne sais pas pourquoi, on reconnaît peut-être un peu un certain Alex Baupin, non ? Avec qui vous aviez coécrit « Les gens dans l'enveloppe ». Vous étiez venu nous en parler. Oui. Mais alors ça, ce n'est pas en province, c'est quand on est arrivé à Paris. C'est la bande de la rue de l'Échiquier. Voilà. Et puis, il y en a un troisième. Il y en a un troisième. Alors, lui, il arrive, il défonce tout. Il dit « moi, quand je serai grand, je serai cinéaste et écrivain. » Qui est-ce, lui ? C'est peut-être lui. C'est non, ce qui est intéressant, c'est pas. Là, je non, mais pas sérieusement. Faire, oui, c'est lui. Christophe Honoré. Oui. C'est on a un passé commun glorieux, comme vous dites. En tout cas, on se connaît depuis nos 20 ans avec Isabelle, ouais. Et c'était comme ça, parce qu'en fait, on est au cœur de la question littéraire. Comment est-ce que je raconte ma vie ? Comment je raconte la vie des autres ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas travestir la vérité ? Ça s'est vraiment passé comme ça, ou c'est la manière dont elle le ressent ? C'est la manière dont écrit Isabelle. Après, dans ce livre, en fait, elle fait une espèce comme ça d'inventaire dans un élan qui est à la fois mélancolique, mais effectivement très doux et très et qui est toujours vers la vie. Donc oui, forcément, la part de vérité, elle est très forte. Mmh. La douceur s'arrête un matin où votre sœur ne se réveille pas. Elle n'aura jamais 27 ans, écrivez-vous. Et moi, je vais continuer à grandir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah, il se passe ce que je pense beaucoup de gens ont éprouvé. Quand un deuil comme ça brutal arrive, le monde s'écroule pendant quelques jours, semaines, mois. Et puis après se pose la question de la place qu'on donne à cette personne qui n'est plus là. Où est-ce qu'on la met dans la vie ? C'est ce truc bizarre, mais je pense que beaucoup de gens l'ont vécu. Pour le coup, c'est vivre avec une absente omniprésente. Donc, ce qui se passe, c'est une espèce de tentative de... On fait comme on peut, en fait. Hein, voilà. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est passé, en fait, par l'écriture. C'est-à-dire que cette espèce d'absence omniprésente, elle était, en fait, comme... C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas non plus faux, parce que elle est là tout le temps, mais elle n'est plus là. C'est déjà de la fiction, c'est déjà un peu du roman. Et je pense que sans ça,
je ne me serais peut-être jamais autorisée à passer à la littérature. Écrire, est-ce que ça répare? Est-ce que ça console? Quelle est la vocation et la fonction de l'écriture pour vous? J'en sais rien. Non, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que l'écriture, maintenant, c'est mon endroit, c'est là où je me sens bien. Aussi parce que je suis avec elle, avec eux. C'est un endroit, voilà, moi j'appelle ça ma grotte c'est assez égoïste, c'est un plaisir un peu égoïste en fait, hein, mais voilà, c'est l'endroit où je me sens parfaitement à ma place. Et là on se dit, bah, le livre peut déraper, c'est-à-dire qu'on pourrait tomber dans ce qu'on appelle un peu le pathos, pas du tout. C'est tenu incroyablement pendant 100 pages supplémentaires avec ceci, page 170. Il n'y a pas de mot au vocabulaire pour dire orpheline de sœur et d'enfant. Question, ben, s'il n'y a pas de mots pour dire ce que l'on est, est-ce qu'on existe? Vous avez la réponse? Non, j'ai aucune réponse. Non, mais c'est aussi un livre, je crois, qui interroge ça. Qu'est-ce qu'on est, en fait? Qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne? Et un peu à la manière du géologue, j'ai considéré ma vie, c'est pas que j'ai une grande passion pour ma vie, mais je pense que j'aurais pu prendre en fait n'importe qui et voir comment la roche est constituée. Donc il y a des sédiments, il y a des failles, il y a des météorites qui sont arrivées, qui ont percuté la roche et ces traces-là. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne? C'est sa famille, c'est d'où elle vient, c'est son milieu social, c'est ce qui lui est arrivé et puis c'est ce qu'elle essaye de faire. On apprend à être heureuse tout en restant triste. Écrivez-vous, oui. C'est possible, oui. Ça? Ah ouais, ouais. Ouais, 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 dit-elle avec un immense sourire. Non, non, mais ça, j'en suis sûre. Ouais. C'est vrai, ça, Alexandre Jardin? Parce que c'est bien beau de dire, OK, ça étouffe de vie, c'est formidable, ça éclate. On peut vraiment être heureux en étant triste? Intensément. Vraiment? Mais les 100 dernières pages du livre, effectivement, ça aurait pu tomber dans le pathos. Ça explose de vie. Ouais. Alors, vous répondez toujours pas à mes questions. Parce que ça me met mal à l'aise. Je sais. Vous écrivez dans votre livre à vous, on en parlera tout à l'heure, quand vous avez appris la mort de votre père à l'âge de 15 ans, c'est peut-être la page la plus forte et vraie du livre. Vous êtes dit, j'arrête avec le réel. Pourquoi? Ça a cessé de m'intéresser. Et donc, il a fallu l'augmenter. Vous diriez ça aussi, Isabelle Monin? À un moment, vous avez été tentée de dire, le réel ne m'intéresse plus? Bah oui, oui, ça, enfin, quand j'ai lu ce passage, moi, ça m'a parlé, parce qu'effectivement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, comme ils ne sont plus là, mais en même temps, ils sont tout le temps là, le réel, il est bien pauvre. Il est bien pauvre. Et alors, moi, il se trouve que j'étais journaliste, donc j'étais confrontée au réel tout le temps. Et alors, ça a mis du temps, mais ça, c'est vrai que je m'en suis lassée, parce que le monde imaginaire est beaucoup plus intéressant. Mistral perdu. J'aime beaucoup le titre parce que c'est l'envers de la chanson la plus connue du chanteur aux cheveux jaunes, souvenez-vous. C'était bien ça. Ce qui est formidable avec votre roman, c'est qu'il y a une bande originale. Il y a les bandes originales de films et puis il y a les bandes originales de livres. On est dans une famille où on peut chanter Ferrat en levant le poing, écouter Renaud, chanter Lily de Pierre Perret. Mais s'il fallait choisir la vraie bande originale de votre livre, c'est pas Renaud, moi, que je choisirais. C'est une autre chanson, une chanson de Barbara qui s'appelle « Mon enfance ». Gagné. Ouais. Bah, je vous l'offre, tiens, ce soir. Merci. Regardez, il y a un piano et au piano, il y a Vincent Delerme qui est venu vous rejoindre. C'est une surprise. « Mon enfance » de Barbara. J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu.
je retrouvais mon innocence avant que le soir ne se pose. J'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude, Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Parfum lourd des sauges rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits c'est faux. Tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, ô ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venu ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seul avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenu? Et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici, où mon passé me crucifie? Où dort à jamais mon enfant en ce... Vincent Delerme chante Barbara. Bonsoir Vincent, venez nous rejoindre. Merci. Venez nous rejoindre, mon cher Vincent, merci. C'est ça aussi une émission littéraire, peut-être de rappeler qu'elle est partout, la littérature. Barbara, c'est presque un écrivain, c'est un écrivain. C'est une écriture en tout cas, ouais. C'est une écriture qui est très difficile souvent à enlever, à détacher du piano, qui va très bien, qui est un peu entremêlée comme ça et qui est très, très frontale, très au premier degré, très, très à fleur de peau, donc c'est toujours une grande émotion de chanter cette chanson. Et de l'écouter, Isabelle Monin? Bah, je n'ai pas pleuré, ce qui est rare, parce que normalement, quand je l'écoute, je pleure. Je ne sais pas comment tu fais pour la chanter sans pleurer. C'est magnifique. Il ne faut pas y retourner vers les souvenirs d'enfance, comme dit Barbara? Bah, c'est tout le paradoxe du texte, là. C'est que, évidemment, qu'on y retourne toujours, mais ça fait mal. Voilà, ça peut faire mal. Et puis des fois, on est... Enfin, parfois, c'est ce goût un peu... délicieusement amère de la nostalgie, c'est-à-dire que on sait bien qu'on va avoir un peu mal, mais on y va quand même. Ça vous plaît, ça aussi, c'est hein, ça, Vincent? C'est bien dit. Ouais. Tiens, je vous offre l'intégrale de Barbara, qui est parue aux éditions de l'Archipel, en version augmentée. Tous les textes écrits par Barbara, et sont même, vous verrez, annotés parfois. Vous allez y trouver, justement, encore plus de raisons de dire qu'elle était une poétesse. Barbara, vous restez avec nous, Vincent? Avec plaisir. On continue de parler de la famille. Ça m'intéresserait d'ailleurs, justement, d'avoir aussi votre point de vue, votre avis, parce que c'est une génération que vous connaissez bien, celle d'Isabelle Monin et puis de Christophe Honoré. Alors justement, Christophe Honoré, tiens, allons-y. Du côté de ton père, qui paraît au Mercure de France. Je rappelle que vous êtes le réalisateur, vous êtes devenu finalement, depuis La Rue de l'Échiquier, le réalisateur d'une dizaine de longs métrages, dont les chansons d'amour. Vous êtes également romancier, auteur de pièces de théâtre, de livres pour enfants, et vous publiez donc au Mercure de France, Ton père, dans une collection que j'aime beaucoup, parce que c'est une collection qui invite à fendre l'armure. Elle demande aux écrivains, cette collection, de ne pas être normaux, de dire vraiment la vérité, vous voyez. Et c'est le portrait extrêmement touchant d'un père homosexuel qui vit seul avec sa petite fille de 10 ans, dont il a la garde alternée, et qui va faire face à ce qu'on pourrait appeler quoi ? L'homophobie ordinaire, celle de tous les jours, celle qui se manifeste le plus souvent à travers des regards, des réflexions, des messages anonymes. Tout commence le jour où votre petite fille vous apporte ce mot, accroché sur votre porte. Guerre et paix, contrepétrie douteuse. Quelle a été votre réaction, Christophe Honoré ? Bah, assez bêtement, au début, je l'ai pris presque légèrement, en fait, ce mot. Enfin, c'est pas que je l'ai pris légèrement, mais je me suis un petit peu demandé qui est-ce qui avait envie de me dire ça. Et puis,
à la réflexion, j'ai bien dû admettre, notamment à cause du mot douteuse, que donc derrière ce guerre épais, il y avait père et gay contre pétrie douteuse, et que quelqu'un tenait à me faire savoir à la fois qu'il savait où j'habitais, qu'il connaissait ma situation de famille, qu'il connaissait ma sexualité, et qu'il estimait que j'étais douteux. Et en même temps, il vous traite de ce que vous vous êtes jamais caché d'être, c'est ça ? Tout à fait. Ben, c'est aussi parce que certainement, moi, j'ai jamais dissimulé mon homosexualité. J'appartiens à une génération, je pense, en fait, d'homosexuels qui, au moment où j'ai commencé à publier des livres, et pourtant c'était même des livres jeunesse, mais justement, j'ai toujours trouvé que c'était important que cette identité-là soit pas dissimulée. Enfin, je me serais senti un peu idiot de la dissimuler. Et donc vous êtes repéré à un moment. Et là, ce billet, ce mot, j'ai bien senti que j'étais repéré par quelqu'un de malveillant. Et qui dit, en gros, homosexuel, d'accord, mais restez à votre place. Homosexuel et père, ça n'est pas possible. Oui, vous avez raison. C'était quand, ça ? Parce que ça rappelle tout de même un certain nombre de choses qui ont pu arriver dans cette société il n'y a pas très longtemps. Ben en fait, c'était au moment où il y avait justement ces débats autour du mariage pour tous et où beaucoup de gens défilaient dans la rue contre le mariage pour tous, mais où on entendait quand même des discours qui, je pense, pour tous les homosexuels en France, ont été d'une brutalité et d'une violence insensée, où il y avait toujours quand même cette idée qu'il fallait protéger les enfants des homosexuels. L'espèce de... D'idées comme ça, que la société progressait en permettant à des familles homoparentales d'exister, il fallait lutter contre ça et faire perdurer des discriminations entre les hétérosexuels et les homosexuels par rapport aux enfants. Et donc, je pense que la personne qui s'est permise, on va dire, à un moment de me désigner et qui a voulu m'embêter... elle s'est certainement sentie autorisée à le faire parce que c'était une période où, effectivement, ces discours-là, on les entendait partout et ils étaient très argumentés, même par certains intellectuels, éditorialistes ou autres. Alors, ce que vous racontez dans ce livre, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est toutes les questions que ça remue, tout le passé qui vous explose à la figure. Et on retrouve, tiens, point commun, Alexandre Jardin, 15 ans, disparition du père, 16 ans, sexualité débridée, pas seulement d'ailleurs homosexuelle, envie de se chercher. Cette envie d'être père, à quoi la reliez-vous quand vous vous posez ces questions ? En tout cas, moi, c'est clair que je n'ai jamais associé, à partir du moment où j'ai commencé à assumer, je n'aime pas très bien ce mot-là, mais en tout cas à vivre assez joyeusement mon homosexualité, je n'ai jamais pensé que ça allait aller avec un renoncement à la paternité. Au contraire, même je me souviens très bien quand j'avais 15 ans. Enfin, bon, c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, j'ai un témoin. Tout ce que je vais dire va être... Non, mais alors, pour le coup, dans le petit groupe qu'on constituait quand on avait entre 20 et 25 ans, le plus fort désir de parentalité, c'était Christophe, évidemment, qui l'avait. Ah oui, oui, il voulait être dramaturge, écrivain, cinéaste et père. C'était vraiment... Et voilà, il a tout fait. Voilà, donc j'imagine que c'était... en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel dans ma vie. Ça ne me semblait pas être... Et puis surtout, je n'y voyais pas tellement de problèmes. Et très honnêtement, avant... C'est de sale histoire, un peu, parce que c'est quand même une sale histoire. Je m'estimais assez chanceux, en fait, finalement. J'avais réussi à devenir cinéaste, à écrire des livres, à avoir une petite fille formidable et tout ça. Je me disais, vraiment, je ne peux pas me plaindre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je le dis d'une manière un peu... Et puis c'est vrai que ce mot, et puis bon, ma porte d'entrée a été après le théâtre d'autres manifestations, et j'ai bien dû admettre que je m'étais aveuglé. Et c'est là où j'ai essayé de m'interroger par l'écriture sur mon inconscience, en fait. Pourquoi j'ai refusé à un moment de voir que ma vie
avait provoqué, que le mal qu'on avait voulu me faire à cause de ce mode de vie que je choisissais. Alors, et c'est là où je trouve que le livre décolle et devient totalement universel. Et on retrouve, Safia Ezzedine, quelque chose que je voyais aussi à l'œuvre dans ce que vous racontez dans l'histoire, on en parlera tout à l'heure, de cette jeune fille née sous X, qui s'appelle Marie-Adélaïde, enfin, qui a grandi en banlieue et qui, elle, connaît bien les familles arabes, d'abord parce qu'elle a grandi chez elle. Si on remplace, en vous lisant, je me disais, mais finalement, c'est des cousins. Si je remplace le mot « gay » par le mot arabe, est-ce que j'arrive à la même chose? C'est-à-dire, on veut bien, mais assigné à une place et n'en bougez surtout pas, dérangez pas. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Alors évidemment, je sais que je suis aussi... Pour votre personnage, j'entends. Ah, pour mon personnage, elle est pas arabe, donc elle s'appelle Marie-Adélaïde, comme elle dit. Ce prénom lui permet de voguer un petit peu dans tous les milieux et on lui pardonne un petit peu tout grâce à ce prénom. Mais elle a grandi au milieu de familles arabes plus défavorisées. En fait, c'est même pas tant des familles arabes, c'est... la misère qui peut exister dans certaines banlieues et elle a grandi au milieu de tout ça et évidemment que ça la détermine et c'est aussi pour cette raison qu'elle va chercher à retrouver sa mère coûte que coûte parce qu'elle sait très bien que pour ne être moins déterminée par cet héritage il faut et l'apprivoiser et lui tordre le cou. Et c'est ce dont ce qu'elle va faire. Enfin, je ne devrais pas donner la fin du livre, mais en tout cas, surtout pas. D'autant qu'on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez lâché le mot qui vous unit aussi tous les quatre, déterminisme. Parfois, vous ne le prononcez pas. Je ne l'ai pas vu chez Alexandre Jardin ni chez Christophe Honoré. Il est très présent chez vous, hein, Isabelle Menin, chez vous également, Safia. Oui. Mais en réalité, Christophe Honoré, cette envie, justement, de dire oui, on peut être homosexuel et père. Et avec cet adverbe, joyeusement, disiez-vous. Faire les choses joyeusement. C'est assez joyeux d'être homosexuel. Hein. Moi, je ne me suis jamais senti victime de mon homosexualité. Et père aussi, c'est joyeux. Est-ce que c'est une façon de dire non au déterminisme? Stop. Je sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous devenez père ou mère, et ça, quelle que soit votre sexualité, vous entrez quand même... Enfin, en tout cas, la norme vous revient à la figure. Je pense que c'est le bon moment pour la société pour vous remettre la main dessus. Et je pense que l'espèce de vulnérabilité que vous pouvez avoir en tant que père ou en tant que mère, c'est-à-dire que c'est un bon talon d'Achille, vous voyez, de commencer à dire « t'es une mauvaise mère » ou « t'es un mauvais père ». Et donc, forcément, quand ce talon d'Achille est en plus associé à cette idée que sexuellement, quand même, votre sexualité... est suspecte. En tout cas, que comme si soudain, le fait que vous soyez avec un enfant, ça devient suspect. Évidemment, ça vous fait chanceler parce que je crois qu'en tant que parent, on doute quand même tout le temps de est-ce qu'on est le bon père ? Est-ce qu'on a prétendu à ce rôle qui est d'être père ou être mère ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un bon père ? Je vous pose la question parce qu'il y a une incise qui est formidable, où vous racontez, là vous plongez, vous faites Barbara, c'est-à-dire que vous plongez dans vos souvenirs et paf, on rembobine le film et on se retrouve dans les années 80 avec le petit Christophe qui est face à un père mutique mais qui ne lui parle pas parce qu'il est ce qu'il est devenu. C'est quoi un bon père ? Je serais un peu méfiant par rapport à ce que vous dites là parce que je ne voudrais surtout pas... laisser entendre que je pense que mon père était un mauvais père, par exemple. Vous voyez, je pense pas qu'il l'était, mais après, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce livre, effectivement, je pensais pas du tout que ça allait me ramener à mon père. Et je suis comme vous, en fait, ayant perdu mon père à 15 ans. Et en écrivant ce livre, j'ai quand même dû à un moment admettre que je pense que lui voyait quelque chose en moi que je n'exprimais pas à l'époque, mais qui était de l'ordre justement d'une sexualité peut-être qu'il ne comprenait pas, et que ça créait forcément entre nous un rapport de peur, de terreur un peu de ma part de le décevoir, ou qu'il puisse percevoir quelque chose justement que je ne voulais pas qu'il sache. Et puis de son côté, j'avais l'impression d'une sorte de mépris, en tout cas c'est comme ça que je le ressentais à l'époque. Ton père, c'est un titre qui s'adresse à votre fille ou qui parfois peut aussi s'adresser à vous? C'est comme une signature, c'est-à-dire oui, il s'adresse à ma fille, même si je n'ai pas l'impression... Enfin, ma fille, elle, c'est sa vie depuis qu'elle est née, donc vous voyez, il n'y a pas de... je ne sais pas comment dire ça, j'ai pas écrit ce livre en me disant que j'allais me démasquer devant ma fille, par exemple. C'est juste cette idée qu'effectivement,
dans cette collection qui est dirigée par Colette Félous au Mercure de France. Elle a un assez joli titre, cette collection, c'est Traits et Portraits. Et donc, j'ai voulu essayer de faire un portrait en père. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose chez moi qui, en tout cas, pour certaines personnes ou au regard de la société, fait de moi un père particulier. Et j'ai voulu interroger et le faire avec honnêteté et sincérité, hein, en chancelant aussi. C'est-à-dire que et en ces attaques tout, finissent... En disant tout également, de vos envies, de désirs qui vous composent, des questions qui vous rongent. Oui, en essayant d'être bah, c'est le principe de ce genre de récit, c'est d'être le plus sincère possible et en même temps... Attendez, c'est le principe des récits autobiographiques, il y en a la moitié qui trichent. Hein. Après, je l'ai appelé roman quand même, c'est-à-dire que intéressé aussi à un moment, de, notamment dans la résolution, parce que je ne voulais évidemment pas désigner le coupable, donc je trouvais, ça m'a semblé à un moment, ça s'est imposé à moi en tout cas, que la fiction devait advenir en fait au moment de la résolution. Ton père au Mercure de France, sous la signature donc de Christophe Honoré. On passe de ton père à sa mère. C'est facile, hein, Safia Azzedine, mais en même temps... C'est très bien fait. Ouais, les titres, les livres, je vous ai déjà dit, les livres dans une bibliothèque, quand vous baladez là demain dans votre librairie, regardez bien et discutez entre eux. Ils ont l'air tout sages comme ça dans les rayonnages, mais non. Ton père, sa mère, Safia Azzedine, septième roman de Safia Azzedine. Après, souvenez-vous, Confidence à Allah ou encore Bilkis, l'histoire d'une jeune femme, on l'a dit tout à l'heure, qui a, alors elle, la rage au ventre. Hein. Est-ce que c'est parce qu'elle est née sous X? Elle s'appelle donc Marie-Adélaïde. Elle a été baladée de famille d'adoption en foyer d'accueil. Elle a même tâté un peu de la prison. Elle travaille comme caissière à la Miche Dorée. C'est en banlieue parisienne, elle n'a qu'une idée, retrouver sa mère biologique. Mais cette quête est également une fresque sociale, où la colère est la ligne de démarcation entre, on va dire, les riches et les pauvres. Roman culotté, roman très souvent hilarant, drôle, roman dérangeant, qui gratte à la paille de fer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de conte de fées contemporain, c'est-à-dire un Cendrillon, mais que vous auriez travesti de manière à le rendre trash et de l'époque? En tout cas, j'aime j'aime l'idée que ce soit un conte de fées, encore plus pour une jeune fille qui est tellement basse dans l'échelle sociale. J'avais envie de lui donner cette sorte de conte de fées parce qu'on est bien d'accord, c'est une fresque sociale. Et puis, la manière dont elle retrouve sa maman est improbable, mais je m'en fous. Voilà, j'avais envie que ce soit facile pour elle. Parce que ça, nécessaire. J'adore. En fait, c'est la seule critique qu'on peut vous faire, c'est de dire, attends, c'est génial. Et puis, au bout de 180 pages... Bon, arrive ce qu'on pensait qu'il n'arriverait pas, c'est cousu de fil blanc, et du tout, on s'en fout. Et effectivement, quand on referme le livre, on se dit, bah, c'était pas si important que ça. Qu'est-ce qui est important alors, si c'est pas l'histoire? C'est la colère de cette jeune femme. C'est sa colère. C'est sa colère qui. Parce que j'ai écrit ce livre avec le ventre, et à un moment donné, même pour moi, c'était assez insoutenable, c'est-à-dire que je devenais insupportable avec tout le monde, et c'est pas le but. Moi, je suis une fille plutôt heureuse. Même plutôt dotée, j'ai une famille très heureuse. Enfin, je viens d'une famille très heureuse. Je les aime, je les adore, ils m'adorent. Enfin, vraiment. Enfin, c'est mais alors, comment, venant d'une famille très heureuse, tout à fait banale dans le bonheur, peut-on écrire des choses aussi horribles? Ben, accordez-moi un petit peu de talent, peut-être. Non, en tout cas, j'avais besoin de comprendre pourquoi une jeune fille comme elle ne pouvait pas aimer une fille comme moi. J'ai une anecdote, j'étais en prison pour présenter mon livre Confidence à Allah, et les filles étaient plutôt très sympathiques. Et puis, il y avait une seule jeune femme qui était très hostile, qui ne souriait pas, qui ne me posait aucune question. Et donc, à la fin, je vais vers elle, et puis on parle. Et elle me dit, vous ne pouvez pas comprendre, chaque sourire à mon endroit, je le reçois comme une insulte. En gros, il y a une impossible réconciliation entre vous et moi, et ne cherchez même pas à m'aimer parce que moi, je ne vous aime pas. C'est-à-dire que votre bienveillance devient l'ennemi. Pas. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui m'a intéressée. Je voulais comprendre pourquoi une Marie-Adélaïde ne pouvait pas aimer une Safia et pourquoi une Safia avait toutes les raisons d'aimer une Marie-Adélaïde. Ça, on est au cœur aussi, Alexandre Jardin, des problématiques qui sont celles de vos romans. C'est-à-dire qu'on veut, on veut que la vie advienne, être des grands vivants. Puis il y a toute une partie, également, des gens qui ne veulent pas entendre ce discours. Vous en êtes conscient. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'il y a de plus réussi à l'intérieur de son livre. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On aime quand même. Quand même. Ah, j'aime bien le quand même. Même s'il y a des choses impossibles. Ouais. Première partie, donc, ce personnage. Ce qui m'a beaucoup plu, je dois vous le dire, Safia Azzedine, c'est cette façon dont vous racontez de nouveau la lutte des classes. Alors, c'est un livre marxiste.
plutôt tendance Groucho que Karl. Mais bah oui, c'est ça. C'est d'un côté les riches, de l'autre les pauvres, avec des clichés qui font qu'on a envie de la gifler, votre Marie-Adélaïde. Et pourtant, on l'aime bien. Sa révolte, sa colère. Quelqu'un lui dira à la fin, dis donc, hey, on se calme. C'est pas une fausse révolte, ta révolte. Non, elle est vraie au début. C'est une colère noire, c'est une colère noble. Mais c'est vrai qu'elle est vouée à l'échec parce qu'à un moment donné, elle l'a subie plus qu'elle ne l'a choisie. Et en fait, sa maman, ou du moins son identité, c'est ça qui va en fait la libérer et peut-être l'apaiser. Parce que cette mère va la valider. Va... Attendez, racontez pas tout quand même. Revenons aux sources de la colère, problème, les origines. Je raconte toujours les fins de mes livres. C'est pour ça que je vous coupe la parole. Bonjour, merci. Je ne me permettrai pas. Non, merci beaucoup. On peut continuer. Très bien. Vous avez raison. Alors, on va oublier la fin du livre, on va commencer par le début. Vous voyez, pour le téléspectateur qui, des fois, se dirait, tiens, c'est quand même vachement bien, je vais le lire. Merci infiniment. La racine de la colère, c'est ça aussi que vous racontez, que vous travaillez. On pourrait se dire qu'elle est uniquement sociale. Vous dites, mais non, il y a autre chose qui s'appelle peut-être, et ça, c'est un mot que j'ai retrouvé chez Isabelle Monin, mais à l'envers, c'est l'humiliation. Oui, bah elle a été humiliée à la naissance. La première chose que l'on fait, c'est aller déclarer un enfant. On le prénomme, on le déclare, on le valide presque. C'est comme ça qu'il acquiert une espèce d'existence officielle. Elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu la base. Être né sous X, écrivez-vous, c'est pas seulement être abandonné, c'est être rejeté. Qu'est-ce qu'une mère décide de barrer de deux croix ? En tout cas, je peux vous dire ce que... Enfin, moi, je ne peux pas imaginer cela, donc je ne peux pas vous donner une réponse, mais je peux vous donner la réponse de la mère de Marie-Adélaïde, sans donner la fin, c'est que son milieu social ne lui permettait pas d'avoir une enfant illégitime, encore plus avec un père... pareil, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est la fin. Non, on ne dit pas. Bah, alors, je vais m'arrêter là. Non, c'est mieux. Voilà, mais vous dites, chez les pauvres, on n'abandonne pas ses enfants. Ce sont les bourgeois qui décident d'abandonner et d'accoucher sous X. Oui, parce que comme elle dit, la misère et les pauvres, elle les a expérimentés, alors que les bourgeois, elle les idéalise, elle les fantasme un petit peu. De toute façon, c'est son droit de se dire qu'elle vient d'une famille de bourgeois, ça la rassure peut-être. Et voilà, je ne sais plus quelle était la question. C'est un livre sur la révolte aussi et sur le mauvais usage ou le bon usage de la révolte. On lui dit à un moment, non mais attends, c'est pas comme ça, c'est pas à ça que ça sert la révolte. Et je me tourne vers vous, Christophe Honoré, parce que chez vous, dans vos films comme dans vos livres, et y compris ici, on sent un bouillonnement souvent réprimé. Est-ce qu'il y a un bon usage de la révolte et quel est-il ? Ah oui, je pense qu'il y a toujours un bon usage de la révolte. Après, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il faut se méfier, parce que ce soit dans les livres ou dans les films, la révolte, elle est, j'allais dire, elle est avant tout formelle pour moi. C'est-à-dire, je trouve que c'est toujours très, très facile de faire, de présenter... C'est pas vrai, ce qu'on nous raconte ? Mais non, mais c'est très facile de présenter des personnages révoltants. Vous voyez, si la forme affreine n'accompagne pas cette révolte, je pense qu'en tout cas, la petite honnêteté qu'on peut avoir en tant que cinéaste ou en tant qu'écrivain, si on est effectivement dans la révolte et qu'on veut un tout petit peu, à un moment, s'opposer à un pouvoir établi, c'est dans le travail de la langue, de l'écriture ou dans la mise en scène quand on est au cinéma. Les personnages de révoltés, autrement, c'est un peu, vous voyez, c'est toujours un peu caricatural. Autrement. Alors, vous avez voulu en faire une personne un peu caricaturale avec cette colère permanente, mais qui ne sait pas vraiment si elle est colère, mépris ou au contraire, jalousie, envie. Disons qu'elle se protège de cette manière, c'est-à-dire que pour elle, la société est celle dont elle ne veut pas être complice, et puis celle qui l'a rejetée à la base. Pour elle, c'est un peu les raisins verts de la fontaine. C'est comme elle n'y a pas accès, elle leur crache dessus. Et c'est un mécanisme d'autoprotection assez banal, finalement. Donc elle n'est pas si différente. Elle est énervante, et ça ne me dérange pas qu'on soit un petit peu énervé et qu'on soit un petit peu mal à l'aise au début, parce qu'elle méprise un peu systématiquement tout le monde. Et on est tour à tour soit elle, soit la société. Et donc tout le monde s'en prend un petit peu plein la gueule. Mais c'est vrai que sa colère qui est vouée à l'échec, parce qu'à un moment donné, elle l'a subie, elle n'avance plus. Et c'est peut-être, elle prend même un peu sa mère comme un prétexte, ou du moins le manque de mère comme un prétexte, pour ne pas aller là où elle doit aller, pour agir, pour être courageuse en tout cas. Elle ne l'est pas forcément, oui. À force de trouver un prétexte à sa propre misère, on finit par faire exactement l'inverse de ce que l'on... par être caricatural, par faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. En tout cas, elle ne fait rien.
Elle ne fait rien à part mépriser. Et elle s'est mise tellement en marge de la société que finalement, elle regarde le monde à travers son nombril. Et en fait, elle ne le regarde même pas, elle le condamne d'entrée. Et c'est pas très humble, finalement, de se mettre en marge de la société. Au contraire, c'est plus courageux de se dire j'en fais partie et puis je vais aller chercher ma place. Elle ne veut pas de sa place. Alors, on ne va pas en dire davantage. Je retrouve quelque chose qui est très présent dans votre livre, Isabelle Monin. C'est ce que vous appelez les injonctions faussement libératrices. Page 85 de votre livre, l'obligation de se réaliser. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui laisse certains d'entre nous sur le bas-côté, précisément, cette obligation de se réaliser? Ouais. Bah oui, je crois que, en fait, ça, c'est toujours l'histoire de notre génération. C'est que on est les enfants des 30 Glorieuses. On nous a dit, en gros, si tu travailles correctement à l'école, tu t'en sortiras. Donc, c'était chouette. C'est un chouette programme. Sauf que ça veut dire que ceux qui n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Mmh. Et cette espèce d'injonction à réussir sa vie, à se réaliser. Dès lors que c'est une injonction, c'est pas libérateur, en fait. Il y a quand même un paradoxe. C'est l'ordre. C'est une espèce d'obligation. C'est ce que vous écrivez aussi, Vincent Delerme, finalement, une génération post-30 glorieuse, mais qu'à... Non ? Mais je me situe pas sur un terrain de me dire « Ouh, il y a eu les 30 glorieuses », et du coup, ça, je suis plus... Ça, c'est un peu abstrait pour moi, ça. Puis j'ai l'impression quand même que toutes les générations, on leur a dit si vous travaillez bien, ça va aller pour vous, non ? Moi, je ne suis pas sûre, mais là, il faudrait faire un peu de sociologie. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, nos enfants savent que même s'ils travaillent bien à l'école, ce n'est pas sûr que ça ira bien pour eux. Ouais, je ne l'ai pas dit au mien. Voilà. Vous ne l'avez pas dit. Ouais. Safia Azzedine, sa mère, vient de paraître aux éditions Stock. Alors, puisqu'on est du côté des mères, Alexandre Jardin, la pièce manquante du puzzle de la famille Jardin, c'est votre mère. Mais avant, si vous le voulez bien, de tourner les pages de ce nouveau livre que vous consacrez à votre famille, pareil, on va rembobiner un peu le film, on va le faire en images, avec un retour sur l'histoire familiale. Tiens, on pourrait partir pour raconter les Jardins, de bien loin, 1942, date ô combien symbolique, dans le déroulé qui va suivre. Regardez. La saga des Jardins ou l'histoire d'une famille française. Trois générations aux extravagances célèbres et aux secrets bien gardés. 1942, 20 avril. Jean Jardin est nommé directeur de cabinet de Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. Il restera à son poste jusqu'en 1943. Une question se pose alors, savait-il ce qu'il allait advenir des 13 000 juifs arrêtés lors de la rafle du Veldiv? Jean Jardin ne fera l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Exilé en Suisse, il revient à Paris en 1947, où il sera l'une des éminences grises de la 4e République. 1960, Pascal Jardin co-signe le scénario de Classe tout risque de Claude Sauté. Il écrira et dialoguera plus d'une trentaine de films, devenus pour beaucoup des classiques. Écrivain, Pascal Jardin ne cessera de réhabiliter l'honneur d'un père au passé trouble. Il lui consacrera trois livres, dont Le Nain jaune, en 1978. La vie de mon père tenait de celle de James Bond et des Fratellini. Enfin, c'était un personnage de poésie et de chansons extraordinaire. C'était un personnage qui avait un don pour arranger la vie des autres, merveilleux. En 1980, Pascal Jardin meurt d'un cancer. Il a 46 ans. 1997, à 32 ans, Alexandre Jardin est l'auteur de livres à succès qui célèbrent la passion amoureuse. Cette année-là, il dessine à son tour le portrait d'un père adoré et trop tôt disparu dans Le Zubial. 8 ans plus tard, fidèle à la légende familiale, il raconte les folies et les extravagances de sa tribu dans le roman des Jardins. 200 000 exemplaires vendus et une reconnaissance critique. 2011, Alexandre Jardin affronte ses secrets de famille dans un livre, Des gens très bien. Pour lui, pas de doute, Jean Jardin a bien été un acteur de la rafle du Veldiv. Le vernis craque, les critiques fusent, sa propre famille lui reproche de salir l'image de son grand-père et de n'apporter aucune preuve sérieuse. Les historiens prennent part à la polémique. Robert Paxton affirme que Jean Jardin était informé de la rafle du Veldiv. Pour Serge Klarsfeld, il n'existe pas de documents sur Jean Jardin et la question juive. Alexandre Jardin conclut « Je veux me purger de mon ADN ».
2017, Alexandre Jardin ajoute une pièce au puzzle romanesque et familial, sa mère Stéphane, dont il perce le mystère en lui consacrant un livre, « Ma mère avait raison ». Ma mère avait raison. Clin d'œil évidemment à Sacha Guitry, Alexandre Jardin, lettre d'amour à celle qui vous a sans doute appris l'audace et la démesure. Est-ce qu'il s'agit vraiment de votre mère ou est-ce qu'il s'agit de la mère que vous auriez tant aimé avoir? C'est vraiment elle. C'est mon... C'est celle qui m'a le plus dérangé dans ma vie. C'est un professeur de liberté. C'est le personnage le plus puissant de ma famille. Et c'est le livre le plus compliqué parce que j'ai décidé de l'écrire alors qu'elle vit encore. Est-ce que vous lui en avez parlé? Oui. Qu'a-t-elle dit? Je suis persuadé qu'elle le lira. Je suis également persuadé qu'elle ne me le dira jamais. Parce que pour elle, la famille, ce n'est pas le lieu du contrôle. C'est l'endroit... c'est fait pour la liberté de la famille. Et donc, elle ne viendra jamais m'encombrer de son point de vue. Sauf si elle débarque sur le plateau ce soir. Ah, c'est possible. Oui, ouais, je lui ai donné l'adresse du studio. Ouais. Je lui ai dit, tu peux venir. Alors, ce serait formidable qu'on ait votre mère qui vienne s'installer juste à côté de vous et qui nous aide à... Non, mais le personnage de roman, on a déjà un personnage de roman. Est-ce qu'elle est dans le public ce soir? Non, j'espère pas. Non, je pose pas la question. Tout peut arriver, on est en direct. Mais c'est un professeur de liberté, donc ce n'est pas quelqu'un qui m'encombrera de son point de vue. Alors, quand vous dites qu'elle ne vous encombrera pas de son point de vue, est-ce que ça veut dire que vous vous autorisez également, vous, toutes les libertés avec ce qu'on appelle la vérité? Je ne vais pas faire comme avec Safia Azzedine, c'est raconter la fin, mais il y a à la fin du livre des pages que je trouve remarquables sur le statut de la vérité. L'exactitude des faits. Oui. Qu'est-ce que c'est dans une famille, la vraie histoire? C'est l'émotion. C'est pas ce qui s'est passé? Pas forcément? L'exactitude ne recouvre pas forcément la vérité. Il y a parfois des moments qu'il faut monter en épingle parce qu'ils ont une puissance de vérité. Ça ne veut pas dire que tous les jours étaient comme ça. Lorsque j'ai 23 ans, à un moment, il y avait des images... j'avais une date de remise d'un manuscrit pour mon deuxième livre. Et je pensais que c'était très important de respecter sa date et tout. Je commençais. Hein. Et je vais voir ma mère et je lui dis « Il n'est pas de moi, le bouquin. Je l'ai raté. Il faut que je le rende. » Et elle m'a dit « Il n'est pas de toi. » Elle a pris le manuscrit et l'a jeté dans le feu. J'avais travaillé un an et demi dessus. Il y a un moment où vous êtes dans le vide, quoi. Vous êtes dans le vide, j'ai attrapé des pincettes pour essayer de le rattraper. Oui. Et elle m'a arrêté, elle m'a dit... J'ai l'impression qu'il vaut mieux pas prendre des pincettes avec elle. Non, mais elle m'a dit, il n'est pas de toi, tu ne vas pas publier un livre qui n'est pas de toi. Et il me restait 5 semaines et j'ai écrit de Zèbre. Pour respecter ma date de remise. Et en fait, elle m'a aidé en faisant du vide. Mais elle avait confiance. C'est-à-dire alors, qu'elle c'est une énorme confiance dans la vie. Elle vous dit quelque chose qui est quand même formidable. Tu ne vas pas publier un livre qui n'est pas de toi. Mais oui. C'est qui, toi? C'est qui, vous? Comment est-ce que vous savez, avec une mère fantasque, avec une mère qui aime plusieurs hommes et ne s'en cache pas, avec une mère qui ne s'encombre pas non plus du mot jalousie, avec une mère qui vous pousse à vous exposer plutôt qu'à vous protéger, comment vous savez qui vous êtes? Franchement. Je sais en tout cas quand je ne m'expose pas. On sait très bien quand on ne s'expose pas dans un livre. Et donc, là, en l'occurrence, je ne m'étais pas exposé. Et dans la vie? Je n'ai pas son courage. Ça veut dire j'essaye. Mais je n'ai pas son courage. C'est-à-dire parce qu'il m'arrive de ne pas avoir aussi confiance dans la vie qu'elle. Alors qu'elle, lorsqu'elle aime 4 hommes, elle les installe à la maison et ils ont leur chambre. Et quand une femme fait ça... Et c'est formidable parce qu'on peut développer un peu. Vous racontez même. Non, mais ça suppose une confiance dans la vie. Absolument illimitée parce qu'on ne sait pas comment ensemble, le vivre. Ils créent ensemble la table de la cuisine. Oui. À un moment, ils décident. On trouvait des tables trop petites parce qu'on était un peu nombreux du coup. Et donc, ils vont construire leur table tous ensemble. Et sur cette table, papa écrit le scénario du vieux fusil, qui est produit par un des hommes, un des 4. Le 3e, Claude, intervient comme consultant sur le,
sur le scénario. Et le premier assistant du film, c'est le quatrième. Voilà. Tout à coup, la confiance incroyable dans la vie va faire un film génial. Et le réalisateur se retrouve entouré de tous les hommes de maman. Mais ça, c'est le premier film, c'est Le Vieux Fusil. Et puis, quelques années plus tard, il y en a un deuxième, qui est un autre chef-d'œuvre, qui s'appelle César et Rosalie. Film de Claude. Claude, c'est Claude Sautet. On le voit, Yves Montand, Samy Fray, Romy Schneider. Et Romy Schneider, c'est votre mère. Qui est déguisée en maman. C'est-à-dire qu'elle les rend fous, parce qu'elle les pousse, elle leur donne l'occasion d'être absolument eux-mêmes. J'ai jamais revu dans ma vie une femme qui, en face des hommes, leur parlait avec une telle violence et une telle vérité et un tel amour. Mon Dieu, si elle arrive sur le plateau, qu'est-ce que je vais dire? Vous n'allez rien dire, c'est elle qu'on va écouter. Enfin, si elle parle, parce que ce qui est très frappant, c'est que vous dites elle ne parle pas. Elle n'est pas tachée de peur. Alors, expliquez-moi une chose. Vous racontez... Mais on peut vivre comme ça. Hein. Ah ben ça, j'en doute pas. Oui, je vous assure. La jalousie, tiens. À un moment, vous lui posez la question. Comment est-ce que tu fais avec la jalousie? Comment est-ce que tu t'arrangeais avec ça? Et que vous répond-elle? La réponse est géniale. Elle dit, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Et ça ne l'intéresse pas. Il y a un chapitre, un moment... Vous comprenez ça, Safia Azzedine, la jalousie? Oui, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce n'est pas mon problème. Voilà. Variante. Vous avez des points communs avec elle. Voilà. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'alourdir de quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que si mon chéri va voir ailleurs, c'est son problème, pas le mien. Et voilà, ça, je crois que ça lui permet de mieux m'aimer et moi pareil. Mais c'est peut-être aussi par égoïsme, c'est-à-dire que je ne peux pas contrôler ce qu'il va faire, donc je m'en décharge. Alors, est-ce qu'il y a une part d'égoïsme dans la manière dont votre mère aime, et peut-être même dans la manière dont elle élève ses enfants? Parce que tout est là dans l'idée aussi qu'au lieu de vous protéger, vous les enfants, elle nous expose. Il faut vous exposer. Ouais. Je trouve ça génial. Parce que aujourd'hui, vous trouvez ça génial. À l'époque, à 15 ans, à 10 ans, quand on vous envoie en Irlande, vous ne parlez pas un mot d'anglais, vous êtes complètement déprimé. Au lendemain, ça génial, pas. Non, mais il y a une catastrophe. Mon père est mort. Donc, me câliner ne va pas le faire revenir. Donc, elle a confiance en moi, elle m'envoie à l'étranger. Seul, le lendemain de l'enterrement. C'est à la fois d'une violence absolument inouïe, et en même temps, c'est un pari sur mes vitalités. Et évidemment que je vais la trouver. Quand un de ces hommes arrive un lundi matin, il retire ses chaussures et il nous montre la plante de ses pieds. Et il dit, j'ai été faire un stage de marche sur le feu. Je n'ai pas brûlé. On regarde tous les pieds, et immédiatement, maman dit, les enfants, je vous inscris. Et donc, Et donc, 10 jours plus tard, me voilà parti avec mon petit frère, et on est bon, et je ne brûle pas. Et quand je lui dis, mais enfin, maman, normalement, les mamans, je ne jette pas sur les flammes, quoi. Et elle me dit, oui, mais tu es mon fils. Tu ne vas pas brûler. Et je n'ai pas brûlé. Elle y a été, elle a brûlé. Et c'était extraordinaire, parce que quand on est arrivé à l'hôpital... l'interne, c'était l'hôpital Percy un hôpital militaire qui traite les grands brûlés. Il y avait un interne qui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, ben, vous voyez bien, elle a marché sur le feu. Et le type me dit, mais volontairement? Et je dis, ben oui. D'ailleurs, moi-même, il y a 15 jours, et le type me dit, c'est quoi votre nom de famille? Et en fait, il y avait une espèce d'absolue confiance. Et je pense qu'être mère, ce n'est pas protéger, c'est exposer. Et c'est comme ça que j'ai vu une mère fonctionner, c'était de toute beauté. Isabelle Menin, je sais que ce n'est pas classique. Être mère, c'est exposer. Mais moi, je ne sais pas en fait ce que c'est être mère, être père et tout. C'est impossible à définir, mais ce qui est frappant là, c'est... tout à l'heure, avec Christophe, on disait que lui, sa famille a été bousculée par la norme, qui veut absolument, enfin, qui n'admet pas, voilà, cette famille-là. Et là, on a une famille hors norme, vraiment. Enfin, en tout cas, une mère
qui s'affranchit de toutes les injonctions. Vous racontez l'inverse quand même. Page 13 de votre roman, vous écrivez « Il me semble, de la petite butte de mes 9 ans, que le métier de grandir consiste à assimiler les codes, à intégrer les normes qui régissent l'espace social, à se tordre pour entrer dans le moule. Vous, elle vous détord pour sortir du moule. » Elle est très inquiétée par le moule. Elle brûle le moule. Elle le brûle et elle me montre que c'est possible. En fait, elle me montre la largeur du monde. Jusqu'où on peut vivre. Et tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. J'étais à la terrasse d'un café en début d'après-midi et il y a une dame qui s'est posée devant moi qui m'a dit « Monsieur, j'ai commencé votre livre. » Et elle devient pivoine. Et je lui dis « Mais ça va ?» Et elle me dit « Je ne savais pas qu'on avait le droit. » Et en fait, ma mère fonctionne toujours d'ailleurs, parce qu'elle est devenue plusieurs femmes en cours de vie, en posant cette question aux autres. C'est-à-dire que les femmes se disaient, mais on peut vraiment vivre comme ça? La réponse est oui. Et la réponse est que quand on a une espèce de confiance illimitée dans la vie, c'est inouï ce qui se passe. Même question qu'à Isabelle Monin, à partir du moment où la mort s'invite sans prévenir dans la vie, et pas une fois, mais plusieurs fois, est-ce que cette confiance est ébranlée? Est-ce qu'elle devient un masque? Est-ce qu'elle est au contraire renforcée? C'est le problème du livre. Non, j'aimerais bien une réponse sincère, Alexandre Jardin. Mais une vraie. Allez. En fait, je ne sais pas trop comment faire le jour où elle disparaît. Donc j'ai anticipé en publiant le livre. Donc c'est un récit de science-fiction. Oui, il y a un chapitre où j'ai écrit le discours que je prononcerai le jour de sa mort. Lorsque quelqu'un vous a montré à ce point la possibilité de vivre, l'idée que cette... j'ai adoré qu'elle me dérange. Mais ça devrait presque vous rassurer, à l'inverse, puisqu'elle vous a appris, que vous avez compris surtout ce qu'elle vous apprenait. Parce que vous racontez que finalement, vous résistez à plusieurs reprises. C'est pas si naturel que ça, de comprendre cette audace. Non, d'être son fils, non. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour devenir audacieux quand on ne l'est pas ou quand le moule social nous apprend à ne pas l'être? Je me suis dit qu'en publiant ce livre, je brûlais les vaisseaux. Si je vous suis bien, ça veut quand même dire une chose. Après ça, on arrête les bluettes. Non, mais on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui arrête les livres qui ne sont pas sincères. Il y a des livres qu'on ne peut plus... Enfin, il y a un avant et un après avec ce genre de livres. Voilà. C'est un livre radical sur la liberté. Oui. Aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. C'est noté. C'est vrai. Oui. Ah non, c'est noté. Et elle est toujours pareil. Des livres libres. Tant mieux, d'ailleurs. Mais il y a vraiment des gens qui, sur cette terre, courent le risque d'être. Et pour moi, ils le font pour nous tous. Parce qu'ils sont en risque. Et je suis très heureux de le publier alors qu'elle vit encore. Ma mère avait raison. C'est aux éditions Grasset, le nouveau livre du nouveau Alexandre Jardin. Parce que vous avez bien compris qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus que des livres dans lesquels Alexandre Jardin dit tout. Perpier est vrai et totalement sincère. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est très bien, aux éditions Grasset. Avant de nous quitter, en musique avec Vincent Delerme, je voudrais évoquer quelqu'un qu'on aimait beaucoup dans cette émission, Vincent, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez surtout ri, je crois. Grand lecteur, génial et généreux, Jean Rochefort, nous avait fait l'amitié de venir à plusieurs reprises dans cette émission, La Grande Librairie, pour lire. Alors souvenez-vous, il nous avait offert Calafert, Montaigne, Zweig, Coetzee, Raymond Carver, James Serber. J'aimerais qu'on le retrouve avec son complice de toujours, Monsieur Jean-Pierre Marielle. C'était sur la scène du Théâtre du Rond-Point il y a quelques années, Jean Rochefort. Qu'y a-t-il d'autre dans votre bibliothèque, Jean Rochefort? Alors, c'est difficile à dire. Disons qu'il y a, à la base, il y a Montaigne. Qu'est-ce que je lis d'autre? Bien, Bicot. J'ai lu Bicot. Oh bah, Les aventures de Bicot. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, mais alors tu vois, là, personne n'est au courant. Non, alors ça... C'est un échec complet. Incomplet. Et puis récemment, j'ai lu de Maurice Pons, Les Vallées
quelque chose. C'est mon psychiatre qui me l'a conseillé. Donc, vous voyez, vous ne serez pas surpris, c'est assez étonnant. Et est-ce qu'à un moment, l'un et l'autre, vous auriez aimé écrire ? Je ne me suis jamais posé la question, là, vous me posez... Moi, si. Ah, j'ai beaucoup écrit, mais je me suis relu. Voilà une belle réponse. Jean Rochefort, merci infiniment, Jean, de nous avoir offert ces moments et surtout ces jeux avec la langue française. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous retrouvez tous les titres des ouvrages dont nous avons parlé, de Christophe Honoré, Isabelle Monin, Safia Azzedine, Alexandre Jardin et évidemment... Perrine Desproges, François Morel, Daniel Morin sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Vous pouvez revoir cette émission en rediffusion, en balado-diffusion, comme on dit en très bon français, sur le site internet de l'émission. Et émission qui va se terminer en musique avec vous, mon cher Vincent Delerme, puisque vous êtes là, vous avez un piano. Piano qu'on retrouve, puisque vous êtes en tournée en ce moment. C'est surtout que Jean, il aimait bien la ragtime. Alors, il avait accepté aussi de venir chanter Félicie aussi une fois avec moi. Ah oui. C'était un gros souvenir. Félicie et aussi, Jean Rochefort, Vincent Delerme, ouais. Ça c'était bien. Ça c'était un bon truc. Et puis, ouais, quand on était autour d'un piano, il me disait, il demandait de jouer du ragtime. Donc, on se fait un ragtime pour Jean Rochefort.